Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Vous avez vu le titre, retour à l'essentiel. Pourquoi? Parce que j'ai pensé à un petit truc. C'est que moi je collectionne les couteaux depuis, enfin je m'intéresse aux couteaux, on va dire, depuis mon plus jeune âge. Donc j'en ai eu évidemment énormément et j'ai pu en utiliser énormément et je me rends compte que de plus en plus, eh bien, je reviens au couteau, aux essentiels. Et l'essentiel d'un couteau, c'est quoi? C'est qu'il doit simplement couper, qu'il doit être pratique à utiliser, etc. Alors, j'ai fait le choix de trois couteaux. Alors, je vous explique pourquoi. D'abord, c'est que parce que mon pote Jules, il adore faire un truc, c'est qu'il m'envoie à chaque fois des textos et puis il me dit, ah, bah, si tu devais garder un seul couteau, tu prendrais lequel? Alors que là, tu es en train de faire un autre truc, tu es obligé de réfléchir, tu es là, tu dis, attends, c'est un fixe, c'est un pliant. Ouais, qu'importe et tout machin, voilà. Donc ça fait gamberger. Et là, hier encore, il me refait le coup et puis il me dit, tu dois que garder trois couteaux, mais pour toute ta vie. Alors là, c'est la pression quand même, hein. Vous êtes vraiment obligé de réfléchir et de chercher. Donc faites-le aussi, vous, et puis vous me mettrez dans les commentaires les trois couteaux que vous choisiriez. Et puis, bah là, c'est pareil, je me pose la question et je me dis, bah, y a deux façons. Il y a soit effectivement, comme quand on est passionné de couteau, quand on est collectionneur, il n'y a pas que l'efficacité du couteau qui compte, on va aussi avoir l'esthétique, on va avoir l'histoire du couteau, la marque, le type d'acier, etc., qui va rentrer en compte, hein. Il y a cette espèce de côté affectif. Et si on réfléchit d'une autre façon, si on prend quelqu'un par exemple qui fait souvent de la rando, qui fait du bivouac, etc., il va s'intéresser un peu au couteau le temps de faire son achat. Il va demander à deux trois potes, bah, ça c'est un super couteau, prends-le. Une fois qu'il l'aura, bah, voilà, ça sera, il passera à autre chose. Et puis ça lui suffira, il aura son couteau qu'il va utiliser tout le temps. Alors que nous, on est tout le temps à essayer de rechercher un nouveau truc, un meilleur acier, etc. Alors là, les aciers, c'est pareil, parce que ça me fait J'adore, ça me fait assez rire parce que vous le savez, quel que soit l'acier, il faudra forcément l'affûter un jour ou l'autre. Alors effectivement, oui, il y a des aciers qui sont de meilleure qualité, hein, ces fameux aciers de l'espace, comme on dit, hein, où voilà, c'est de la super dureté, le tranchant il va durer super longtemps, etc. Il va pas forcément mieux couper qu'à l'époque. Hein, si on prend des vieux modèles comme, je sais pas moi. Un Buck 110, genre édition là, du cinquantenaire, là. Il y a 50 ans, ça coupait aussi bien la viande que le bois. Alors que depuis, la structure du bois et de la viande, elle n'a pas changé. Donc ça coupe toujours aussi bien et nos ancêtres, ils se posaient pas tant la question. Il y avait déjà des aciers très haut de gamme à l'époque. Hein. Alors c'est vrai que quand j'étais gamin, on avait le choix entre 440 A, B ou C. On se posait même pas la question d'ailleurs. Et maintenant, c'est devenu quasiment un argument de vente. Mais même moi, quand je regarde des sites de couteaux, je regarde, je me dis, ah ouais, alors c'est quoi comme acier? Ouais. Alors qu'au final, je sais très bien que si le couteau me plaisait et qu'il coupe, ça m'irait très bien. Et que si je dois l'affûter une fois par semaine à la place de une fois par mois, ben, ça irait tout aussi bien. Alors je vais vous montrer les trois couteaux du coup que j'ai sélectionnés. Vous allez voir que c'est pas une surprise. Normalement c'est pas une surprise pour vous et c'est logique. Et je vais vous dire pourquoi je les ai choisis et qu'est-ce que je ferais finalement avec si je devais garder que trois couteaux. Bah, le premier simplement ça serait un Opinel. Ça c'est con comme la lune hein, comme on dit. Mais l'Opinel simplement parce que ça coupe. C'est un couteau qui est très léger, qui coupe parfaitement bien. Moi, je choisirais plutôt le numéro 9 parce que c'est mon préféré en termes de taille. Alors là, c'est pas un numéro 9. J'aime pas du tout le manche, donc moi j'aime bien bah, voilà, faire des manches un peu comme ça par exemple, hein, m'amuser à les graver, à les customiser, etc. Par contre, j'aime beaucoup la forme de la lame des Opinel et c'est ultra tranchant quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est léger, etc. On sait que c'est pas le couteau le plus solide du monde, on va pas faire levier avec, mais ça coupe à bloc. Hein. On s'est tous déjà coupé avec un Opinel. Nos grands-parents, ils avaient ça toute leur vie. À la limite, ils en perdaient, ils rachetaient le même, ils se posaient pas 36 000 questions. Et si ça a tellement de succès, même outre-Atlantique. Les Américains, ils aiment bien parce que c'est un petit couteau qui coupe. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est que ça coupe. Donc là, évidemment, l'Opinel, alors je le prendrais
en version inox parce que je l'utiliserai plutôt pour préparation de nourriture, pour faire la cuisine, pour manger, parce que c'est un couteau qui est assez léger. Et voilà, tout simplement. Alors effectivement, il n'y a pas d'ouverture assistée, il n'y a pas de machin, il y a juste une petite, la petite virole qui me permet de bloquer le couteau. Mais voilà, donc ça, ça suffirait et ça suffit largement. Et encore une fois, leur succès, eh ben, il est dû au fait que ce sont des couteaux qui sont efficaces, qui sont pas forcément beaux. Encore ça, c'est un critère, hein, perso. Donc ça, mon premier choix. Deuxième choix, bah vous vous en doutez peut-être, hein, si vous me connaissez un peu, et bien évidemment, ça serait un Victorinox. Forcément, mon premier couteau, on revient aux essentiels, parce que bah, c'est hyper pratique, évidemment. Moi, je prendrais, et c'est mon préféré, c'est le modèle Huntsman, parce que le modèle Huntsman, donc je vous ai fait une revue il n'y a pas longtemps sur mes couteaux suisses, hein, un deuxième épisode. J'ai même oublié de vous préciser que dans le Huntsman, il y avait parfois un trou ici, où on peut mettre une petite aiguille. On peut rajouter des tournevis, des trucs comme ça, justement, on me disait il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et surtout que moi, il me convient très bien dans mon mode de vie parce que il y a la scie, il y a les ciseaux, il y a la petite lame que j'adore, etc. C'est super flou, ce quoi. Ouais, ça vient, ok. Évidemment, le Huntsman, un couteau suisse, forcément, je l'ai toujours eu dans ma poche. Que ce soit dans ma poche ou dans mon sac, j'ai toujours le Huntsman près de moi. Parfois, si je sors et que j'ai besoin d'autres couteaux, j'en prendrai un autre. Mais on part pas là-dedans, on part dans le délire que j'en ai qu'un. Donc le Huntsman, évidemment. Et puis donc ça serait évidemment pour le bricolage, pour faire tout ce que j'ai à faire dans la journée, en utilisant la petite lame, la grande lame, même la grande lame pour manger, pourquoi pas, bien qu'il soit relativement lourd pour manger. Enfin, c'est pas le plus idéal, je prendrais plutôt l'Opinel. Donc évidemment, deuxième choix, logique, je dirais couteau suisse. Et puis dernier choix, normalement j'aurais dû vous dire le Tops Bob, parce que le Tops Bob c'est mon couteau favori, c'est vraiment un couteau qui a été fait pour moi, c'est pas possible. Il est juste génial pour plein de raisons, j'ai fait des vidéos dessus évidemment, mais voilà, je l'adore. Mais je suis resté dans le délire d'avoir des couteaux simple avec un bon rapport qualité-prix, parce que les trois couteaux que je vous ai présentés, à mon avis, vous dépassez pas les 50€. Et bien, le dernier, encore une fois, c'est pas une surprise, ça va être évidemment un Mora, et particulièrement celui-ci. Alors là, en plus, on n'est pas chez Mora, on est chez Baco, c'est l'Aplander, c'est le kit avec la scie qui est fournie avec, mais en gros, c'est le Mora compagnon, parce que j'adore ce manche. Je le trouve hyper ergonomique, je le préfère aux autres manches, après ça c'est perso. Et j'adore cette lame parce qu'elle est hyper efficace, les moutures scandinaves dans du bois, mais c'est un plaisir, c'est un laser le truc. Et j'aime bien sa finesse, il fait que 2 mm. Alors si vous voulez plus costaud, il y a évidemment le Mora Robuste qui a une lame plus courte, mais qui a 3,2 mm d'épaisseur. Et sinon vous avez avec le même type de manche, le Heavy Duty qui a une lame également de cette taille, qui doit faire 11 cm je crois si je dis pas de bêtises, et 3,2 mm d'épaisseur. Mais déjà ça, c'est hyper costaud, c'est-à-dire que même on peut s'amuser à faire du petit bâtonnage avec, même si c'est pas prévu pour, on le sait. Mais bon, avant de péter un Mora, faut franchement y aller, faut faire un petit peu, je dirais, n'importe quoi. Et moi, ça me va très bien. Et encore une fois, là, on est sur des essentiels. Si vous regardez des émissions de survie, des trucs comme ça, vous vous rendez compte que les mecs, ils se prennent pas la tête avec des trucs hors du commun. Hein. Ils ont ça. Alors là, même si vous voulez pas vous embêter, lame inox, qui préfère le carbone. Moi, j'ai une préférence pour le carbone hein, parce que je trouve que ça accroche un peu mieux. Mais dans l'optique d'avoir quelque chose qui est durable dans le temps, si je devais en avoir que 3, je prendrais évidemment de l'inox parce que je trouve que c'est tout aussi tranchant. Hein, voilà, c'est peut-être un peu moins dur, mais enfin bon, là on rentre encore dans des considérations autres. Donc voilà, avec ces trois couteaux là, ben, on va faire tout ce qu'on a besoin de faire, hein. L'Opinel pour manger, le couteau suisse pour bricoler pour tous les jours, et puis le Mora aussi pour bricoler, et puis pour aller en pleine nature, pourquoi pas. Donc vous voyez, retour aux essentiels. Donc j'attends de voir dans vos commentaires ce que vous choisiriez, et est-ce que c'est un choix, je dirais... logique dans le terme efficacité, durabilité aussi, parce que les couteaux suisses c'est quelque chose qui est extrêmement durable. Les Mora aussi, je vois honnêtement, si on les casse pas, si on les perdait pas, hein, si on me disait bon bah tu te casses sur une île déserte, hein, et vous voyez le trip, bah, avec ces trois trucs on peut absolument tout faire, et c'est encore une fois des très bons rapports qualité prix parce que là pour l'ensemble je pense qu'on en a pour moins de 50€, et avec ça on fait absolument tout.
Voilà, bah c'était une petite vidéo assez rapide, hein, moins de 10 minutes, c'est très très bien pour vous parler de ça. Et puis bah j'ai encore pas mal de petits couteaux à vous montrer, de petites choses comme ça, donc on va évidemment se retrouver. Je vous remercie en tout cas, on est presque 5000, j'ai vu, je fais jamais gaffe, mais j'ai vu ça l'autre jour là, parce qu'il n'y a que les 4,8, hein, là, c'est, ah bah oui. Donc c'est super sympa en tout cas, bah, ça fait super plaisir évidemment, et puis j'adore communiquer avec vous à travers les commentaires, parce que c'est toujours très très sympathique. Donc voilà, bah, je vous dis à très bientôt, et puis portez-vous bien. Allez, c'était Christian Jones, bye bye.